Bonjour et bienvenue, on est reparti pour plus de survie du week-end. On sort par où? Est-ce qu'on a une torche? On va récupérer plus de torches. On va peut-être récupérer plus de torches. En tout cas, bienvenue. On continue notre petite aventure en fait sur le lac. Non, en bord de mer, pardon, c'est pas du tout un lac. Ok, d'accord, ça marche. On se casse. Et on va essayer de récupérer encore plus de choses en bord de mer. On peut passer. Ouais, non, là c'est pas où jeter. On va passer par là. Hop là. Hop là. J'ai peut-être pas besoin d'encore la jeter. Donc ouais, on va se balader encore un peu. Il y a un peu de brouillard par contre. Le vent s'est arrêté parce que du coup on avait une tempête. Donc le vent s'est arrêté. La dernière fois, juste avant de se quitter, on avait pris un café. On avait pris un café. Ok, c'est ça. Donc on a chaud et tout ça, tout va bien, tout se passe bien. J'ai bien envie de prendre les Jupiter. Là. Bon, c'est pas grave. Donc ouais, on est encore à la recherche d'objets supplémentaires en bord de mer. J'espère qu'on va pas avoir de problème avec le temps. Maintenant, c'est arrêté plutôt là-bas en fait. Bon. Oh, 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 oh. Donc ouais, on a aussi fait cuire du poisson. Donc ça s'est bien passé. Ah, on a un objet là. C'est quoi? Un bonnet. Mauvais état, c'est pas intéressant. Tissu. Tête de massette, pas intéressant. Pareil. Donc ouais, on est en train de chercher plus d'objets. On va pouvoir se mettre à l'abri là-bas, là, dans le grand bâtiment, si jamais il fait trop froid. Donc ça, c'est bien. J'ai plus de bois, par contre. J'ai que la torche. J'en ai qu'une seule, enfin, il me reste plus que celle-là. C'est quoi, ça? Pourquoi le loup a peur? Un ours peut-être? Un sac. Évidemment. Pourquoi le loup a aussi peur en fait? C'est bizarre ça. C'est bizarre parce qu'il a l'air d'être bloqué en course en fait. Ah! Là-bas il y a peut-être un cadavre. Ouais, il y a des trucs qui apparaissent, ah, c'est chiant. Ouais, ça c'est un cadavre ça. Wow, plein de trucs qui apparaissent. Mais ça c'est vraiment embêtant. Honnêtement, c'est vraiment le gros mauvais côté de. De regarder les bords de mer là. C'est que les choses apparaissent super tard en fait. Ouais, c'est trop tard. Ouais, ça c'est vraiment très 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 embêtant. C'est vraiment le gros mauvais côté. Alors je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Mais ça gâche un peu le fun en fait. Que ça vous pousse absolument à rester en bord, quoi.
Mais c'est bizarre que le loup avait peur. Je pense qu'il y a peut-être un loup, un ours dans le périmètre qui fait le tour des bâtiments. Parce que je crois qu'il peut en avoir. Donc je serais pas surpris en fait que ce soit ça. Il avait l'air de pas vouloir s'arrêter en fait de tourner. Donc ouais. Ouais, je pense qu'il y a ça. Ah oui, on m'avait dit aussi la grotte de Fluffy, là. Fluffy, je sais plus. Il y a un loup en fait dans une grotte ici. Honnêtement, on va, j'y suis déjà allé, donc j'ai pas envie d'y retourner. Ok, y a rien. J'ai pas envie d'y retourner, mais elle est super dangereuse parce que la grotte en fait est super étroite et le loup il est très proche de l'entrée. Hein. Donc du coup, vous avez la plupart du temps, vous avez pas le temps en fait de faire demi-tour. Elle est là-bas, à l'étage. Et je conseille vraiment pas d'y aller. Ou alors elle est au bout de ça, je crois, peut-être. Je conseille vraiment pas d'y aller. Honnêtement, c'est super dangereux. Je trouve que c'est la grotte, potentiellement la grotte la plus dangereuse. Parce que le loup est très proche de l'entrée à chaque fois. Et bien sûr, il fait tout noir, hein. C'est tout sombre hein, à l'intérieur. Donc voilà, c'est la galère. Le mieux c'est d'avoir une torche, vous la balancez. Et vous faites peur au loup. Je vais voir s'il n'y a pas des choses à ramasser vite fait. Genre peut-être des massettes qui me restent que j'avais pas prises. Non, y a rien. Ouais, donc c'est celle-là. Honnêtement, j'ai pas envie d'y aller. Je crois qu'il réapparaît. Normalement, il était dans ce périmètre là. Il réapparaît peut-être pas. Ou alors il se balade dans les tunnels. Un mec est tombé du haut. Ah, peut-être qu'il réapparaît pas alors. Mais il faut faire méga attention ici. Pour moi, c'est l'endroit le plus dangereux. Parce que là, vu que je sens la barbaque et tout ça, il me serait sauté dessus déjà. Il m'aurait sauté dessus.
le mec est tombé. Bon bah c'est bon, on peut partir. Si vous voyez, en fait, vous vous baladez avec la lampe et vous vous attendez pas vraiment qu'un loup soit aussi proche de l'entrée, en fait. Et quand vous voulez, genre, prendre votre arc, c'est ça l'animation. Voilà. C'est bien lent. Bien lent. Donc du coup, pour moi, c'est l'endroit le plus dangereux. Je considère cet endroit le plus dangereux. Le loup est très proche de l'entrée. Vous voyez rien. Vous avez souvent en fait la lampe au début. Et après, vous devez la mettre... Ou alors, vous la posez par terre. C'est peut-être plus rapide de poser par terre et de sortir l'arc. Ah, je suis pas vraiment sûr. Mais voilà. Il n'y a pas grand chose à récupérer de toute façon ici. Par contre... Ah, je vous ai un peu... Ouais, j'ai un peu gaspillé de l'essence pour rien, parce que du coup je vous ai montré... Ah, c'est pas un ours ça. C'est quoi ça? Non, c'est un rocher. Alors là, faut faire gaffe parce qu'il y a peut-être un, ouais, comme je disais, un ours qui se balade, donc on va y aller doucement. Je suis prêt à entendre un truc là, à droite. Ok, on va faire le tour. Vous avez vu? Faut l'oreille, hein. Je pense qu'il m'avait flairé. Je pense qu'il m'avait flairé. Vu qu'il est vraiment très proche de la paroi, il m'avait sûrement flairé déjà. Ouais, là il fait le tour. On a entendu un. Comme ça, genre, qui souffle, vous voyez, qui souffle fort. C'est ça qu'on a entendu. Ouais, non, là il fait le tour pour aller me voir. Ah, c'est sympa, hein. Après, quand on connaît des trucs comme ça, c'est... J'avoue que ça va, quoi. Comme j'ai dit, à chaque fois, il y a toujours des... Votre meilleure arme dans le jeu, honnêtement, c'est le son. C'est vraiment le son. Et après, c'est vos yeux. Mais c'est toujours d'abord le son. Et sur toujours, faut toujours faire attention quand vous prenez des... Des petits îlots là, genre où vous voyez pas de l'autre côté et tout ça. Ou genre des rochers qui bloquent votre vue. Ça aussi, ça peut être dangereux. Donc ouais. Ravitailler. Bon bah du coup je crois qu'on va rentrer. Parce qu'on a fait notre boulot, on a fait ce qu'on voulait faire. Ça sert. De toute façon tous ces bâtiments on l'a déjà fait. On l'a déjà fait plusieurs fois. C'est pas très intéressant. Apparemment, le vent se lève. Ça, c'est un peu embêtant. Oh, on a eu une tempête il n'y a pas longtemps. En plus. Ah ouais, quand même. Pourquoi à chaque fois... Oh la vache, putain, ça m'a fait peur. Pourquoi à chaque fois que je rentre dans un bâtiment, il y a une tempête? Genre quasiment instantanément, c'est fou ça. Ah, là du coup il fait froid là. Oh. Ok. Passer. Il y a plein de bois à couper si vous voulez. Là il y avait la radio. Ah, ça.
Ah, c'est bruit. Ah, c'est pas mal comme, comme endroit. On peut faire un feu ou pas? Allez, vas-y. T'es sérieux? Ah, c'est nul. Alors, honnêtement... honnêtement, en plus, le feu, il a de la place. Hein. Il lui faut juste un petit tunnel d'air et ça passe, et c'est bon. Hein. Il faut un tout petit tunnel d'air et ça, ça marche. Pas grave. Je sais pas ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire des tests. Bon, on va se mettre à l'abri. Je sais pas trop pourquoi je fais le tour. C'est peut-être dans l'espoir de trouver quelque chose, mais on a déjà fait le tour plusieurs fois. En fait. Donc, il n'y a pas vraiment de logique à tourner. Ça sert un peu à rien. Il y a une chose qui me manquerait. Je vais être honnête, ce serait du métal. Mais bon, après, prendre du métal ici pour le ramener au lac, bon, ça c'est un peu con. Hein. C'est super loin, ça va être méga long. Mais ouais, il faudrait que j'aille récupérer du métal en fait au barrage. Ça serait très très bien. Ce serait une très bonne chose de faire ça. On va peut-être rester ici, comme je disais la dernière fois. Vous vous rappelez quand je parlais des... parce que normalement, on va avoir... Des thermos, là. Ou des bouteilles isolées. Et peut-être qu'on devrait rester à l'autoroute côtière, en fait. Tout simplement pour pouvoir refaire toutes les maisons qui traînent. Donc, en théorie, ça augmenterait nos chances... de trouver ces nouvelles bouteilles, je pense, de beaucoup en fait. Et après, on rentre au lac mystère peut-être. Et après, on commence à faire notre bagage et tout pour la nouvelle zone. J'ai pensé à faire ça en fait. J'ai pensé à ça. C'est peut-être plus intéressant de faire ça. Bon, on a encore trouvé des bâtons, c'est bien. On a trouvé quoi d'autre sur le bord de l'eau cette fois? Pas grand-chose. Du bois, je crois. Ouais, du bois. Après, ouais, des bonnets. Les bonnets, on va les détruire parce que ça sert un peu à rien. Là, ils sont complètement morts. Est-ce qu'on peut, je sais pas, réparer des choses? Ça nous fera patienter. Il fait encore jour un peu. Très bien. Et ça. Allez, vite, vite, vite. Nickel. Moi. Bah du coup, on va devoir passer la nuit ici, quoi. Bah après, y a pas de problème. On a de l'eau, on a de la nourriture, on a des calories. Vous avez vu qu'avec les 3 poissons, au final, ça s'est bien goupillé. Parce qu'on a, pas mal de calories d'avance. Ça, il faut le garder. Parce que je crois qu'il y avait des gens qui parlaient sur le forum. Où la nourriture pour chien, ça pourrait donner en fait beaucoup de vitamine C ou un truc comme ça. Pour le scorbut ou je sais plus trop quoi. On va rien préparer du tout, on va garder tout ça comme ça, c'est bien. Bon, bah, du coup, dormir.
Le problème, c'est qu'on va pas pouvoir dormir longtemps. Ça, c'est un peu embêtant. Très bien. Ah, on a eu de la chance. Attends. Non. Ça a pas duré longtemps pour une fois? Bah ça, c'est une première, tu vois. C'est une première. Ok, très bien, on est bon. Allez, vas-y, on sort. J'aurais dû sortir avec mon part accroupi. Ah, le vent évidemment de cette direction. Parce que je voulais en fait monter là, sur la route, pour aller potentiellement récupérer des baies, des champignons, des trucs. Je crois qu'on va faire ça. Faut juste faire gaffe sur qui on rencontre sur la route. Je sais pas exactement d'où vient l'ours ici, je me rappelle plus. Ok, il va faire le tour lui, ça va, il va nous lâcher sûrement. Bon, ce qu'on peut faire, c'est ça. Oh, oh merde. Je pense pas que ce soit le même, hein. Tu vas pas me dire que le machin il a fait le tour en 3 secondes quoi. Là-bas il y a des trucs à récupérer. Là, il y a des trucs à récupérer mais on était déjà allé de toute façon. Donc, ça va, mais peut-être là-haut là à droite. Là, on a la chute d'eau en dessous. Continue. Oh là là, t'es chiant. Okay. Je me demande si la viande de loup toxique va être consommable. C'est vrai qu'on j'en avais pas parlé la dernière fois. Mais c'est une chose que j'étais en train de me demander. Est-ce que ça va être consommable la viande de loup toxique? Parce que s'ils sont contaminés, je dirais qu'en théorie... cuite. On la prend pas. Je me suis dit, s'ils sont contaminés, en toute logique, la viande, on la mange pas. Hein. Je dirais, hein. Je vais être franc. La viande, on va pas pouvoir la manger. Hein. Donc ça aussi, c'est une chose à se demander. Va falloir peut-être ramener un peu plus de calories pour pas avoir de problème. Parce que si on peut pas manger les loups, ça c'est un problème. Vous vous rappelez les loups gris? Les loups gris sont dangereux évidemment, bien sûr. Mais il y en a tellement des loups gris. Une fois qu'on est à cuisine 5, en fait on a de la viande tout le temps partout. Ah, cool. Ah, c'est cool ça. Donc, du coup, on n'a pas vraiment de problème de nourriture en fait. Il y avait des cadavres partout quand on était dans la zone des loups gris.
Donc c'est vraiment pas un problème pour la nourriture. Mais si jamais on peut pas la consommer, ouais, là on va avoir des problèmes. C'était pas mal ça. Même si ça va sûrement jamais me servir. C'est quoi ça? Non, ça... Il y a 44-24, ok, on va arrêter de prendre du bois. On peut passer par là? Une belle vue sur l'église. Ouais, pas besoin de prendre des risques bêtement, on n'est pas pressé par le temps, pas de problème. Par contre, j'espère vraiment que la nouvelle région, c'est un peu ça qui m'importe. J'espère absolument qu'il n'y aura pas besoin de prendre une corde. Il y avait besoin de prendre des cordes pour... pour l'aéroport, ou pas, je ne me rappelle plus vraiment. Si, je crois. Hein. Genre, je crois la toute première fois, puis après on débloque un raccourci. J'avais dit que j'arrêtais de prendre des... je sais plus exactement, mais je crois que oui, on a des cordes à prendre. Enfin, ça dépend d'où on commence, hein, mais... J'avais parlé aussi d'une chose en poste sur ma chaîne. Un truc tout bête qu'on pourrait faire pour les cordes, en fait. Pour prendre les cordes avec le travois. Oui, parce que je parle des cordes, c'est pour le travois, en fait. C'est pour se balader en travois. Mais il y a un truc tout bête, et j'espère qu'ils vont y penser, mais j'imagine qu'ils vont pas le faire. Ça serait le travois, en fait, si on peut pas le prendre sur notre dos pour prendre la corde. Alors, ok, c'est trop lourd, ok, ça marche. Il n'y a pas de problème, je peux comprendre. Du coup, on peut pas le prendre. Faites en sorte qu'on puisse l'attacher, en fait, à la corde. Parce que, ça, en fait, ça marche dans les deux sens. Et ça serait vachement bien. Genre, si on est en bas d'une corde, en bas d'une colline avec la corde, on attache le travois en bout de corde, vu qu'on est en bas. On monte la corde sans le travois, bien sûr. Puis après, une fois qu'on est au-dessus, on passe genre 10 minutes. Enfin, dans The Long Dark, ça va sûrement être 30 minutes, parce que le mec, notre personnage ne sait pas utiliser ses deux mains. Hein. C'est comme casser des cartons. Lui, il lui faut 15 minutes pour casser un carton. Mais et après, en fait, on peut tirer la corde. Une fois qu'on est en haut, une fois qu'on est arrivé en haut, on tire la corde. Et on récupère le sac, on récupère le travois. Et hop, c'est bon. Et après, on rebalance la corde, quoi. Donc, il n'y a pas de problème. Et si jamais c'est l'inverse, qu'on est en haut, on tire la corde. Donc, du coup, on passerait du temps à tirer la corde. On la ramène. On attache le travois. Et on le descend, tout simplement. Et après, nous, on descend par la suite. Genre, ça marcherait super bien, en fait, ce système. Ça marcherait super bien. Et bien sûr, les deux, le fait de monter la corde et le fait de tirer la corde et tout ça, ça fatigue et tout. Donc, il y a un risque, en fait. Mais il y a un risque calculé, il y a un risque logique, quoi. Donc ouais, honnêtement... attendez. Non, on veut pas aller à la mine. Si, on veut aller à la mine. Je me rappelle plus. Comment on ressort de cette zone? C'est par la mine? Souvenir et conseil. Ça, on l'avait fait, ça.
Non, c'est pas celle-là, c'est l'autre, hein, où il y a la corde devant. C'est bon, je me rappelle. Donc, ça paraîtrait vachement bien, en fait, ce système-là. Je trouve. Parce que les gens s'inquiètent maintenant, moi aussi, pareil, s'inquiètent parce que sur leur petit poste, là, Interland disait que bah, ça va être difficile de l'utiliser. Du coup, bon, j'imagine que les cordes, ça va être un non, quoi. Donc ouais, ça serait des nouvelles mécaniques qui marcheraient avec le jeu. Il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Puis ça irait avec comment leur jeu fonctionne, quoi. Mais bon, je suis sûr qu'ils vont pas le faire. Ça va être un problème. La seule façon qu'on va pouvoir passer les cordes, en fait, avec un travois, techniquement, c'est on s'arrête en bout de corde, enfin, on s'arrête devant la corde, on prend des objets sur nous, on monte, on dépose tout en haut. On redescend. Et on vide comme ça le travois, en fait, petit à petit. Et après, une fois que tout est en haut, ben, vous trouvez un lieu où vous pouvez crafter un autre travois. Et après, vous récupérez le travois et vous le reprenez avec vous. Et vous récupérez tous les objets que vous avez ramenés en haut de la corde, quoi. Donc du coup, c'est quelque chose que quasiment personne fera. Parce que ça va vous prendre 107 ans, quoi. Oui. C'est triste, hein. Mais on sait très bien que ça va sûrement se passer comme ça. C'est très triste. De savoir que ça va mal se passer. Et vous pouvez rien changer à ça. On peut strictement rien changer. On sait que ça va être comme ça et on peut pas changer les choses. Horrible. Alors, ouais. Puis... Très bien. Mais il nous reste encore un kilo de viande là, à 1000 et quelques calories, c'est très bien. Bah du coup, on a récupéré quelques petits objets intéressants quand même. Donc c'est pas si mal. Je suis content pour le cuir, je suis content pour la fusée, même si c'est pas vraiment le truc qu'on utilise souvent. Les médicaments, c'est toujours mieux que rien. Donc ouais, ça va, sympa. Tiens, on va faire un tas de charbon, mais de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, j'en ai pas. Donc ouais, ce serait vraiment cool qu'on puisse utiliser le travois comme ça. Mais ouais, j'ai honnêtement un peu peur de la mécanique. Les problèmes que ça risque de rajouter aussi. J'ai un peu peur que ça soit une mécanique qui au final devient inutile. Il y a pas mal de choses, hein, qui devient inutile, hein, dans le jeu. Qui a jamais été vraiment balancé ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de trucs, hein, qui deviennent très très inutiles. On pensait tous que la pêche allait être utile. Enfin, allait être plus facile et que ça allait être vachement intéressant. Au final, bof, on a vu qu'on a fait des tests. Hein. On a vu qu'au final, bah, ça reste quand même très très chiant. C'est pas... Voilà, quoi. C'est pas intéressant. Il y a plein de petites choses comme ça que j'aurais bien voulu que ça soit un peu mieux. Mais bon, on verra. On verra, on verra. En tout cas, on va continuer notre petit chemin. On va rentrer à la base tranquillement. Ce sera sûrement la fin de notre épisode. On va voir si on peut pas chasser quelques trucs sur le passage. Ça dépend un peu du temps. Donc on va faire ça. Très bien. Oh mon dieu. Ah, attends. On va se mettre là. Hop. Voilà, très bien. Voilà, comme ça on a du charbon à droite et à gauche. On va prendre ça. Alors techniquement il faudrait refaire le chemin au bord de l'eau, je dirais.
Mais il fait pas... Il fait un peu froid. Et du coup, on fait... Là, on refait le chemin par la forêt, plutôt. Pour voir si on n'a pas des baies ou des champignons à ramasser. Qu'on n'aurait pas pris. On est à 43,59, ça va. C'est quoi ça? C'est du charbon? Ah ouais. Des fois il y a du charbon comme ça qui apparaît, c'est pour indiquer ou une grotte ou une mine pas loin. Là on était venu, là putain je vois. Non, je crois que c'était un sac mais en fait. Passer par là. C'est un peu plus dangereux parce que c'est plus exposé, mais je vais voir s'il n'y a pas des choses à récupérer. Par des loups. Bon, on va pas aller au sous-sol là, ça sert un peu à rien. Ah, il va exactement où on veut aller. C'est chiant. Attendez, si je passe par là, est-ce que je peux remonter? Prépare. On est bon, let's go. On peut apprendre la compétence de bander deux flèches en même temps ou pas? Je dirais pas non à ça. Tiens, on va passer par là. Au bout d'un moment, quand on est resté aussi longtemps, on peut pas développer des compétences un peu spéciales. Qu'est-ce que ça serait bien, ça? Vous imaginez des régions, vous voyagez dans des régions où il y a des compétences à ramasser, à récupérer. Un peu comme ce qu'ils avaient voulu faire avec les recettes. Mais genre en compétence spéciale. Je sais pas. Enfin, ceux qui regardent ma survie du week-end depuis des années. Hein. Vous savez le nombre d'idées hein, qu'on a dites. Et qui pourraient vraiment améliorer les choses et rendre le jeu encore plus fun et tout ça. Et qui demandent pas beaucoup de travail, c'est ça le pire. Ça demande pas beaucoup de travail. Mais bon, on verra. Bon, on a une très mauvaise visibilité, hein. Je suis désolé pour ça. Mais... Au moins, on reste sur la route, ça va vite. Non, faut faire attention parce qu'il y avait des loups près des maisons brûlées. Et c'est pas très loin, ça. Yeah.
pas très loin du tout. C'est de la norme, ouais c'est là. Je sais pas si là on peut trouver des choses. Ça fait longtemps que j'ai pas eu d'aurore boréale aussi. Depuis qu'on avait... Ça, c'est un ours. Je l'ai pas vu, hein. Essayer de rester un peu sur le côté de droite quand même pour un peu longer le bord de l'autoroute, mais je l'ai pas vu du tout hein. C'est juste au son hein. Ah, c'est bon, j'arrive à distinguer l'autoroute. Je pense qu'on l'a passé. Je pensais pas qu'on pouvait avoir un ours là. Ouais, je pensais pas qu'on pouvait en avoir un ici. Ouais, c'est bizarre. On devrait bientôt être à la maison. Oui, ça devrait être là-bas. Ouais, non, c'est bon, je crois qu'on est bon. Prendre un peu de hauteur. Ouais, on est bon, on est bon, on est bon. Je fais un peu plus attention au son là, c'est pour ça que je parle pas. De toute façon, j'ai peut-être entendu encore un truc qui bougeait. Mais de toute façon, autour du camp, j'ai tué un ours, j'ai tué des loups, donc ça devrait aller. Voilà, très bien. Parfait. Parfait, parfait. Du coup, on va dormir le reste de la nuit. Je sais pas quoi faire encore pour le reste. Ou on rentre ensemble, c'est-à-dire que on fera ça pour les prochains épisodes, ou alors on fait autre chose, ou alors je rentre de mon côté puis on fera autre chose, je sais pas trop. À la limite, on peut peut-être rentrer ensemble, je sais pas encore. On verra en fait si le DLC sort d'ici là, enfin la partie 4. Sort d'ici là ou pas, ou si on a encore un peu le temps, si voilà, on verra ça en fait, on verra un peu comment ça se goupille, et comment je fais le reste de mes épisodes, mais ouais. Bah du coup ça... qu'est-ce qui se passe ?
Non. Je sais pas, j'ai cru entendre un son. Bah du coup, ça vaut le coup. Honnêtement, ça vaut le coup. On tombe tout souvent sur des médicaments. Enfin, les médicaments, pas souvent, mais on tombe sur des médicaments qui sont pleins à chaque fois. C'est toujours 6 le maximum. Donc ça, c'est bien. Ils sont toujours en mauvais état, par contre. Donc c'est pas vraiment des choses qu'on peut ranger facilement. Ça, c'est un peu le problème. On a trouvé des bois encore pour faire des arcs et des flèches et tout ça. Ça, c'est cool. Fusée nautique. Très, très bien. On a récupéré quoi d'autre encore? Bah, du kérosène, enfin de l'essence, parce que voilà, on a fait du poisson. Voilà. Non, mais c'était bien. Honnêtement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. C'était sympa de se balader au bord de l'eau. Et c'est honnêtement plus facile de se balader au bord de l'eau pour récupérer du poisson que de pêcher, quoi. On a récupéré des écorces. Ça, oui, c'est vrai qu'on avait pas mal d'écorces quand on était rentré. À la limite, ce que je ferais, c'est que j'attendrai qu'il fasse jour, parce que de toute façon, là, on va dormir. Mais c'est de récupérer, de faire un peu le tri de ce que je prends avec moi, et après, on rentrera. Voir si on prend un peu plus de matériel que prévu. Ou alors, ah oui, non, mais j'avais dit que je voulais peut-être rester dans la zone pour attendre le DLC, voir si on peut pas récupérer des bouteilles. Ouais, on va peut-être rester. Ah, je sais pas encore. On verra ça. On verra ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Et on va dormir. Ciao, ciao!